Bonjour à tous, c'est Genotype. Nous sommes aujourd'hui sur Passons Tempête de Feu de Battlefield 3. Aujourd'hui, vous apprendrez à piloter un hélicoptère, pour ceux qui ne savent pas encore piloter un hélicoptère. Pour simplement décoller, il suffit de faire la touche accélérée. Et voilà. Pour aller vers le bas ou pour atterrir, vous faites simplement la touche décélérée, donc la touche S par défaut. A savoir que la touche accélérée est Z par défaut, ou W pour les claviers QWERTY. Voilà. Maintenant, pour se pencher, simplement comme je suis en train de le faire maintenant, il suffit simplement d'utiliser la souris. Donc pour tourner vers la droite, par exemple, sans se pencher, vous faites la touche D par défaut. Pour tourner à gauche, la touche Q par défaut. C'est simplement les touches droite et gauche de votre véhicule. Pour pencher vers la droite, comme ceci, il suffit de pencher votre souris vers la droite. Enfin, la faire aller vers la droite. Même chose pour la gauche, vers la gauche. Pour abaisser le nez, vous faites aller la souris vers le haut. Voici. Et pour remonter le nez, vers le bas. Voilà. Maintenant, il suffit d'utiliser toutes ces techniques pour essayer de faire des figures que peu de personnes arrivent à faire. Simplement, j'ai passé sur un panneau qui est assez facile à faire juste pour la vidéo. Donc voilà. Et voilà, j'ai légèrement rasé la route, mais ça a été. Donc pour contrer un hélicoptère ou un jet, c'est simplement de voyager entre plusieurs obstacles, comme ceci. Ça servira à éviter les missiles ou le verrouillage. Vous avez aussi, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Vous avez aussi plusieurs modes de tir. Le premier mode, qui était roquette pour l'hélicoptère de combat, avec la touche 1 du clavier. Ou avec la touche 2, votre second mode de tir. Pour moi, j'ai choisi le missile infrarouge parce que c'est plus facile de verrouiller les ennemis. Voilà, donc pour l'hélicoptère de combat, il y a simplement deux places. Ça peut changer selon le type de l'hélicoptère. Il y a plusieurs types d'hélicoptères. Il y a le type d'hélicoptère de combat, comme ceci. Je ne sais pas si je peux vous montrer si je vous ai montré au début de la vidéo à quoi il ressemblait. Ou alors un hélicoptère de transport ou de combat léger, avec des miniguns sur le côté, sont à disposition sur certaines maps et serveurs de Battlefield. Donc selon les modes, il y a un hélicoptère ou pas, en fait. Donc voilà. Donc un hélicoptère, vous pouvez simplement prendre des points, mais c'est beaucoup difficile, enfin c'est déconseillé, car les tanks peuvent vous attaquer. Voilà. Attendez, voici. Je vais poser mon hélicoptère, mais voilà, j'ai tché, j'en étais sûr. Je vais réparer au cas où. Il n'y a rien comme dommage en fait. Donc, si vous êtes une personne qui voulait tuer une personne hélicoptère, vous pouvez simplement tirer sur les vitres. Et ça tirera sur les personnes qui sont à l'intérieur. Donc maintenant, je vous propose de essayer de faire un décrochage. Donc vous allez très haut dans le ciel et vous simplement vous arrêtez les moteurs. Il est impossible d'arrêter les moteurs, mais pour faire une simulation de décrochage, on penche l'hélicoptère vers le bas, donc le nez vers le bas, donc à savoir faire monter la souris. Et on diminue la vitesse avec la touche décélérée, S par défaut. Pour regarder sur les côtés comme je suis en train de faire, je fais la touche clic droit. Touche, ouais, la touche. Vous pouvez regarder sur les côtés, donc ça touche visée. Simplement la touche tirée et hop, ça tire. Donc voilà, on décroche. Alors, à quoi ça sert? Ça sert simplement pour de la vitesse. Donc, sur des cartes, si vous commencez sur un porte-avions ou sur un pic, exemple Karg Island, ou alors je ne sais plus comment s'appelle la carte avec la falaise, vous démarrez de haut. Et vous décrochez, donc vous faites le nez vers le bas plus la touche décélérée. Alors vous allez prendre la vitesse. On va entendre par un bruit strident. Voilà. Voilà, on dirait que le vent frappe contre la vitre. Et voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a aidé à pouvoir piloter un hélicoptère et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.